Voilà, un dévot est arrivé ici. Merci beaucoup pour la question. Peut-être que ça sera la première fois pour moi d'arriver ici à Bachou. Et même pour le commandant secteur aussi. Alors, c'était très important qu'on arrive, qu'on communique avec la population. Et aussi pour savoir la situation sécuritaire dans cette région. Et aussi avoir d'autres informations, parce que ce ne sont pas toutes les informations qui nous arrivent à Béni. Mais quand on communique avec la population, à partir de la base, on a des vraies informations. La population acquise les éléments phares d'ici d'être à la base d'une tracasserie aux agriculteurs. Oui, il est vrai que depuis le début de notre série de sensibilisation, c'est la première fois que je découvre un peuple ici à Bachou qui parle sans peur, qui dénonce les actes. Et cela, c'est nous encourageons. Vous voyez, vous avez vu, ça a touché tout le monde. Et le commandant secteur n'a pas aimé certains comportements de certains militaires ou bien soldats. Et ça n'encourage pas les mariages civilo-militaires. Et le commandant a réagi directement. Il a donné 3 jours au commandant régiment pour que ces éléments soient détectés le plus vite possible. Et des mesures propres seront prises pour, n'est-ce pas, ces derniers répondent à ces actes. Nous ne pouvons jamais tolérer que certains soldats s'amusent à ne pas honorer l'honneur, n'est-ce pas, de notre armée. Vous savez, l'armée, c'est une société bien organisée. Et quand il y a quelques dérapages, on doit vraiment punir sévèrement pour que ces derniers servent de modèle. Qu'est-ce qui fait que la guerre contre les ADF traîne encore de finir? On sait le jour où la guerre commence, mais on ne sait pas le jour où la guerre se termine. Nous sommes dans une guerre, mais dans une guerre, chacun de nous a un rôle très important à jouer. On a comme impression que les gens pensent que la guerre, c'est l'affaire de l'armée, or que ce n'est pas ça le problème. La guerre, c'est l'affaire de tout le monde. Tout le monde, y compris vous, journalistes, vous avez un rôle très important à jouer dans cette guerre. Votre façon de communiquer, votre façon de donner les messages, les informations. Alors nous devons tous nous poser cette même question au lieu de regarder seulement l'armée. L'armée fait la guerre avec l'ennemi, mais il y a la guerre psychologique, il y a la guerre médiatique que vous, communicateurs aussi, vous encouragez. Alors nous devons tous nous regarder, nous corriger. Et directement, je pense que si l'armée se corrige, la population se corrige, chacun se corrige, en bref, la guerre ne va pas durer. Après ces échanges, est-ce que l'armée a des recommandations, des devoirs qu'elle peut adresser à la population du Bachou? Pour l'instant, on écoute la population, on encaisse, et je pense qu'il y aura un moment où nous devons encore rentrer ici pour communiquer avec cette même population. Merci le porte-parole, merci d'avoir répondu à la question. C'est moi qui vous remercie.